Salut à tous, bienvenue dans le 9e épisode. Nous avions terminé le colisée des monstres et obtenu, ah oui, le grappin. Ce qui est trop cool. Donc ça c'est le village de Kazuto. Est-ce que j'ai encore des choses à faire dans ce village? Je ne pense pas. Ouais, donc ça je l'ai fait. Là je peux pas. Laisse-moi passer! Ok, donc on va essayer de redevenir. Ah, je peux toujours pas les tuer ceux-là. Je vais essayer de redevenir Link normal et d'utiliser mon grappin là où c'est possible. Par exemple, là, je dois pouvoir et je pense que ça me mène dans les nouveaux endroits. Ah, hein. Peut-être un nouveau donjon. Le problème, c'est qu'il faut que je trouve des monstres tuables. Ah, j'y suis presque. Ah, il y en a encore un là. Voilà. Et ben, donc je vais commencer par là, puisque je viens de repérer ce petit passage. Lac de l'Anel. Marais de la sorcière. Tous les lieux sont toujours très bien indiqués avec beaucoup de pancartes, ça j'aime bien. Temple de l'Anel. Donc là, logiquement, je suis jamais venu, puisque j'avais pas le grappin. Par contre, là, je pense que j'étais déjà venu. Est-ce qu'on pouvait arriver ici depuis la forêt? Depuis la forêt du début. Oh, que c'est beau! Tiens, qu'est-ce qu'on peut faire là-bas? J'ai envie de mettre une bombe. J'ai envie d'exploser les fleurs. Bon, ça marche pas. Je sais pas ce qu'il faut faire. Niveau 7, temple de l'Anel. Ok, bon, on va commencer le temple. Hein. Je me demandais si j'allais pas faire quelques petites quêtes annexes d'abord, mais je sais pas où exactement, donc pourquoi ne pas faire le temple? Plouf. Ceux-là, je peux les tuer logiquement avec le grappin. Je peux aller par là du coup. Est-ce que ça peut être utile? Eh ben non. La carte. D'accord. Donc du coup je peux aller là. Ah oui d'accord, je suis déjà venu ici.
Mince. J'ai pas de clé, donc je vais aller par là. Ouais. Le sol est différent ici. Il est plus classe, je trouve. Ok. Et voilà la clé qui me manquait tout à l'heure. Mince, j'arrête pas de me faire blesser. Est-ce qu'on va avoir les palmes dans ce donjon? Ah, cool! Je suis revenu à l'entrée, mais avec les planchers interrupteurs inversés. Mais en fait... Ah oui, voilà. Je pouvais pas à cause de ça. D'accord. C'est très bien. Bon, pas trop le choix. D'accord, alors il faut refaire le tour. Ok. À quoi ça sert de faire ça en fait? Ah oui, d'accord, parce que je pouvais pas. Bah, non, je comprends pas en fait. Ah si, je suis jamais allé là-haut encore. Du coup, j'ai le choix parce que je peux aussi aller par là. Donc, je vais d'abord aller voir là-haut. Ok, j'ai ouvert une porte. La boussole. Donc c'est cette porte que j'ai ouverte. Ah, mince, je peux plus revenir en arrière là. Enfin, je crois. Je vois pas comment. Ok. Ce donjon est bien compliqué. Ah oui, d'accord, j'étais déjà venu là. Une clé. C'est cool. Donc je suis obligé d'aller... Oups. D'aller par là. Donc là, je me retrouve à l'entrée, mais avec les planchers inversés. C'est malin. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faudrait que je réussisse à revenir là où il y avait une autre... au sous-sol. Ouais, voilà. Ok, ah bah non, j'ai encore le choix. Moi, je vais aller voir là. Super. Donc j'ai dépensé une clé pour trouver une clé.
Bon bah, on peut continuer par là. Oups. C'est rigolo ça, on peut lancer les crânes sur deux ennemis en même temps. Je suis un peu perdu dans tous ces trucs. Comment on va chercher ce coffre? Oups. Bah, il faudra les palmes. Ouais. Là, il me manque une clé. Les sous, mais je m'en fous, j'ai 999 rubis et je sais pas quoi en faire. Ah! J'ai pas très envie d'aller là maintenant. Parce que je pense qu'il y a encore un endroit où je suis pas allé. En fait, c'est par là. Voilà, là je suis pas venu encore. Hein. Si? Ah si, je suis venu il y a longtemps en fait. Donc là, je peux rien faire d'autre en fait. Ok. Je comprends un peu mieux la logique. Aïe. Ok, alors cet étage, sans vouloir spoiler, me rappelle des choses qu'on verra plus tard dans Zelda 3T. Et comme j'y ai déjà joué, ça me rappelle un donjon qui est bien difficile. Ah! Il faut que je redevienne Link normal. Quoique bon, pour l'instant, je peux continuer quand même. Donc là, j'imagine qu'il va falloir inverser les planchers pour pouvoir aller sur la partie gauche de cette passerelle. Et ensuite, je pourrais utiliser le grappin probablement vers le nord. Sinon, je vois pas à quoi ça sert. Oh, cœur! Pourquoi on peut pas attraper les cœurs dans... comme dans Link's Awakening avec l'épée? Ou alors, avec le grappin? De toute façon, le grappin, je peux pas l'utiliser, mais bon. Je sais que malheureusement, il permet pas d'attraper les petits cœurs. Ça y est. C'est bizarre cette musique pour un donjon quand même. C'est la musique de certaines zones extérieures de Majora's Mask. Bon, allez, au hasard, on va faire comme ça. Bon choix. D'accord, donc... si je comprends bien, c'est... je pourrais revenir relativement rapidement jusqu'ici. Ah ah. Autre porte débloquée. On progresse. Pour l'instant, je suis pas beaucoup bloqué dans ce jeu. Ouais, ok. Je veux ce coffre. Je parie que c'est la clé du boss. Parce que, comme il faut les palmes pour l'avoir... parce que, n'est-ce pas, quand on utilise le grappin, ça fonctionne pas pour s'accrocher au coffre. Des Octoroks. J'ai eu chaud. Serait-ce les palmes dans ce coffre? Ah ah.
Ou alors une clé. Ah oui, il reste encore beaucoup de coffres en fait. Je suis encore loin d'avoir les palmes. Intéressant cette porte verrouillée. Ah bon, moi je peux aller là. Je peux ouvrir cette porte. Je veux le cœur d'abord. Ah bah d'accord. bon, je sais pas encore à quoi ça sert, mais logiquement il va falloir faire ça. Ah oui, ça y est, je me souviens. J'arrive là. Hey, pas mal, pas mal. Allez, on va descendre. Je pense que j'ai à peu près tout au rez-de-chaussée. Ah non, il y a encore ça. Rez-de-chaussée, moins 1. Oh, la porte du boss là-haut. Elle se cache derrière le compteur de bombes, mais je la vois. Alors, une clé. Ok, je reviens ici, c'est très bien. Donc avec ma clé, où est-ce que je peux aller déjà? Par là. C'est un vrai labyrinthe. Aïe. Ok. Ça, c'est potentiellement les palmes. Oups. Yeah! Ça y est, je sais nager! Qu'est-ce qui presse à cet étage? Rien du tout. Donc, on va remonter. On va tout de suite chercher ce fameux coffre. Donc, finalement, c'est pas la clé du boss, c'est juste une clé normale. Mais si je remonte... D'ailleurs, il n'y a plus rien. Du coup, la clé du boss, elle doit être dans le coffre qui est là-haut, je pense. C'est bien, maintenant, on peut aller partout. Quoique, on peut pas aller là. Oui, pardon. Alors, j'ai une clé, mais il faut que j'inverse les planchers interrupteurs. Où est-ce qu'on peut faire ça, déjà? Là-haut. C'est pas très pratique, mais on peut quand même. On va mettre une bombe et puis voilà. Et lui, en fait, là-haut, bah, il sert à rien. Clé du boss! Ok. Je suis où? Ah, je suis là. Ah oui, d'accord, maintenant je peux faire ça, c'est cool. Ok. Allons. Allons-y tout de suite. Où est le cristal le plus proche déjà? Il est là. C'est ça le boss? Ouh, un gros méchant pas beau qui sort de l'eau.
Oh, il est pas beau. Bon, les flèches marchent. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, il a sorti un truc du sol. Oh, quelle horreur. Je pense que la tactique de bourriner, c'est encore le plus sûr. Allez, réveille-toi! Je t'attends, de pied ferme. Je sais ce que je vais faire, tiens. En attendant. Merde, ça a pas marché. Ah, ça le touche deux fois. Au final, c'est quand même plus rapide comme ça. Ah, j'ai déjà perdu tout ça d'énergie. Mince, ça marche pas ma technique. Ça ne marche pas du tout. Ok. Je pense que cet épisode a assez duré. Donc j'irai tuer le boss dans le prochain... Enfin, j'espère. Ok, à bientôt. Salut à tous, ciao.